Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur KSP. Alors, j'ai récupéré des missions en plus depuis la dernière fois où on a refait pas mal d'argent, dont des missions touristes juste orbitales pour la Moon. Et c'est parfait parce que ça va me permettre de remonter ma réputation. Alors je rappelle qu'au début de la partie, j'avais eu plusieurs échecs du fait que je faisais autre chose en même temps en fait. Et j'ai échoué quelques missions de touristes, ce qui fait que j'en avais plus. Et financièrement, ça se sent assez vite quand on fait ce genre d'erreur, même en normal, au niveau de la difficulté. Donc bon, on commence à avoir rattrapé le coup, mais ça a pris quand même quelques missions et quelques lancements. Mais enfin, on va déjà lancer tous ces touristes rapidement autour de la Moon. Alors, je vais pas y passer l'année, dans le sens où on a déjà fait ça beaucoup au début. Je vais juste faire un petit accéléré rapide du lancement, et puis comme ça... On n'aura plus derrière qu'à... Comment dire ça? Hop. Alors non, là déjà il se passe n'importe quoi. Je voudrais deux groupes. Qui me permettent bien de lancer ça et ça, tout à fait. Ensuite, celle-ci. Exactement. Parfait. Eh bien écoutez, c'est l'inverse que je veux. Mais sinon, on est bon. C'est parti. Il me semble comprendre pourquoi ça va pas valider ma mission en tant que station. C'est parce qu'elle, ce n'est pas une station. Pour le moment, c'est toujours un vaisseau pour lui. Ça peut être potentiellement la source du problème. Ensuite, il y a un autre détail, c'est que je crois qu'il faut que ça héberge jusqu'à 4 carbales. Or là, je peux en mettre que 3 à la station. Il me semble que c'est quelque chose de genre... pose problème. Alors la dockcam est toujours ouverte. Ah d'accord. Ok.
Tac, voyons un peu. Alors, ah, ça a validé une mission, mais je vois pas laquelle. Bon. Ma foi. Voyons mes crédits. 2,5 millions, j'étais à 2,8 millions. Pourquoi est-ce que... Ah, c'est étrange. Bon, on va voir. Enfin, c'est pas grave. Où est-ce qu'on en est à niveau science? On était à 10 seulement? Ah oui, non, on a vraiment pas beaucoup de données en fait. Faut que je refasse ceci. Parce que voilà, il y a plein de données à ajouter. C'est ce qui me semblait. Ça, j'y ramènerai. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, on va y transmettre. 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 Ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on transmet. Ça, on garde. Ça, on ajoute. 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 Je vois qu'au niveau des charges électriques, on est toujours très très large, malgré tout ce qu'on a envoyé. C'est nickel. Surtout qu'on a un Comitron 16S, donc normalement c'est très efficace. Ok, est-ce que je peux faire un autre log Astronomy Data? Oui. Et je peux transmettre également. Ok, alors voyons où on en est. On est à... Ah, c'est déjà plus acceptable. 21 000 snacks par jour. Non, mais de toute façon, j'ai pas de ressources, mais c'est énorme, 21 000 snacks par jour. Pas assez d'équipage. Alors, voyons un peu les missions, justement. Hop, 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 hop. Alors, support 4 Kerbal, voici le problème pour la Kerbin Space Station. Celui-là vient d'être validé, les autres 700 000, je crois que j'étais à 1,8 million. Donc oui, 2,5 millions, en fait j'ai pas eu à le relancer, j'ai juste eu à le recharger. Alors c'est bugué, alors je le referai pas, mais bon, ça fait des crédits, hein, moi je veux bien. Tac, et puis c'est vite, je peux m'en lancer un autre, ce qui me demanderait d'autres scientifiques et je les ai pas. C'est tout ça qui m'inquiétait, pour être honnête. Il faut que ce soit un type, un vaisseau de type station, ce que l'on va justement faire tout de suite. Comment... Alors, où est-ce que c'est? Route de réaction, renommé vaisseau, le voici. Non. Parfait. Cependant, il va falloir que je rajoute des Kerbal. Donc il faut que je lui livre un petit module à docker ici. Ça va, c'est faisable. Je m'en fais pas trop pour ça. Quant au niveau électricité, voyons. Moins 1, moins 1, ça veut dire qu'on est pas mal. C'est juste parce qu'effectivement le soleil est un tout petit peu en biais. Pour ça, il va suffire que je fasse ça. On va viser celui-ci par exemple. Ça devrait largement faire l'affaire. Voilà, ça. On a tous les panneaux solaires possibles pour capter, et on est passé à 6. Donc voilà. Parfait, très bien. Et bah écoutez, je retourne au VAB, et on va voir pour cette petite mission qui va nous permettre eh bien, de compléter celle-ci.
J'ai fini la prochaine mission. J'ai un ou deux détails à régler, je pense. Parce que je crois que j'ai fait des erreurs là-dedans. Ouais, ça c'était déjà le cas.
Alors, Skansat IRS vient de passer aussi apparemment pendant le trajet sur Minmus, les achievements de base de Minmus, le M700 m'a rapporté 107 000, le IRS de la Moon est passé aussi, parfait. Le long terme reconnaissance surveil vient de se finir aussi sur la Moon, parfait. Le magnetic field aussi vient de passer sur Carbine, parfait. Bien, ben c'est parfait parce que ça a débloqué plein de missions qui étaient en cours. Et donc ça a validé plein de trucs et je vais avoir plein d'autres missions possibles. Alors ça fait 15 jours. Donc à mon avis, voilà. Take a picture of the soleil. Donc il faut un space telescope et prendre une photo du soleil. Ça c'est cool ça. Minmus Space Station. Intéressant. Ouais, désolé pour mon accent anglais pourri. Alors là, carte spécifiée d'orbite. Une cupola. Un mobile processing lab. Donc le labo. Ouais, ça en gros, je vais le prendre. Et parce que là, en fait, il me demande de... Comment expliquer ça? Le jeu me demande d'envoyer un triple Z aussi sur la Moon. Et donc, ce que je me dis, c'est qu'il va finir après la Moon par me demander Minmus. Donc je ferai comme j'ai fait avec celle de Carbine, pire des coups. Et comme je vais faire avec celle de la Moon aussi, pire des coups. Alors, vous voyez, Moon Space Station, pareil avec le Processing Lab, et avec un triple Z qui comprend un docking, le Science Lab qui fera partie de la station, enfin c'est exactement la même mission mais sur la Moon, donc c'est pas mal du tout. Orbital Telescope Docked. Alors ça par contre j'ai pas compris comment ça marchait, j'ai essayé l'autre fois du moins et j'ai pas vraiment, ça a pas fonctionné, j'étais docké HP, voilà. Par contre Perform to Carbine Recover. Bon, ouais, j'ai pas trop compris, mais bon, on verra, je réessayerai. Alors, bon, bah là, on vient de l'apprendre, parfait. Là, il veut que j'emmène des touristes survoler la Moon. C'est toujours la Moon, ça? Ça, c'est de l'orbite. Donc, c'est largement faisable, facilement. Ça peut être cool. Je fais un petit pod de 4. Ouais, ça peut être bien. Mais bon, en même temps, je me dis que ça peut être aussi nul. Donc, faut voir. Par contre, ça paierait beaucoup, beaucoup. 117, juste pour un petit orbite, une petite orbite, sans même se poser. Allez, je prends. Même si j'ai beaucoup de crédit, au moins, je suis tranquille. Alors, ça, c'est d'autres touristes qu'il faut aussi orbiter. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et la picture du soleil aussi. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, mais je vois que j'ai de la science, j'ai plein de technologies, je vais me faire ma première navette un petit peu fiable et durable, avec des petits moteurs atomiques au pire, enfin on va voir. Mais je pense qu'au prochain épisode, je vais m'attaquer à commencer à faire des transporteurs spatiaux qui redescendent pas, qui sont juste là pour faire transfert, quoi, les navettes. Sans ça réduira les coûts et puis en plus bon c'est un peu plus vivant que de faire des lancements tout le temps à peu près la même chose, même si j'essaie de varier un peu, le jeu reste basiquement toujours à peu près le même, c'est juste la taille des fusées qui varie en fonction de ce qu'on envoie. Bon bah écoutez c'est cool, alors je suis désolé j'ai l'air un peu fatigué mais ça fait presque une heure que j'y suis là-dessus sur ce morceau-là uniquement. Donc bah écoutez, je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner les commentaires, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.